Allez, c'est parti, chers viewers. Départ pour le Major à Stockholm. On arrive à l'aéroport. Regardez-moi ces belles images. Regardez-moi ces belles images, ce beau soleil. J'espère qu'il sera toujours là-bas, sur place. Allez, on va aller encourager les Vitality et on se retrouve sur place. Le petit pitch qui avance pas. Bon, allez, on arrive à Stockholm. Let's go. Alors, ça va ou pas? Regardez, pas trop décoiffé. Ça va pas un petit peu trop vite. En direct du Major, juste devant le stade. On arrive, Riri, là, parce qu'on est à l'hôtel. Stay tuned. Regardez, chers viewers, une nouvelle fois les belles images. On vient d'arriver, il y a des joueurs de partout. Je suis avec Eichfield. Et là, la compétition va démarrer. Et nous, on est fin prêt. Mais regardez-moi ça, les gars. Regardez ce lounge. Vous avez déjà vu ça dans vos villes, là? Sortez de vos HLM, chers viewers, regardez. Regardez-moi ça, regardez ça. Et en plus, il y a de quoi faire là-bas, on peut jouer avec les joueurs et tout. Oh là là, c'est régalade, chers viewers. C'est ce qu'on voit. Vous l'avez reconnu, hein? Hello. Ah bah oui, Monsieur Actugo. Le vrai. C'est qui le meilleur supporter ici? Ils sont où les autres supporters? Ils sont où? J'entends rien. Mais regardez, vraiment le vrai statut VIP les mecs. Alors dans l'hôtel des joueurs, allez c'est parti, on y va. Bon, je prends de l'autoroom service, regardez. Ça va pas trop décoiffer chez vous, regardez tout le stuff que j'ai. Tout ça pour Riri. Regardez-moi ça. Regardez, c'est ni fait ni à faire. Y'a personne qui peut recharger les boissons là, c'est ni fait ni à faire là. Ça manque de réseau rouge là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où le Major? Il est même pas diffusé à la télévision là. Attendez, y a quelque chose à vous montrer, chers viewers. Ils ont prévu la star, ils savaient qu'elle allait venir. Regardez-moi ça. Bonnet CSGO. Allez hop, qui veut. Vous en voulez? Regardez. Qui en veut dans le chat là? Tiens, hop, allez hop, ça c'est pour les abos. Darius TV, ça c'est pour. Bon, on se retrouve là, chers viewers, toujours en direct du Major. Alors on va aller à Prague, on va aller rejoindre Vitality. Ils ont terminé quelques pracs et on ira voir un petit peu leur état d'esprit. Demain c'est le grand match. Le début de la compétition pour eux. On va leur donner des bonnes vibes. Dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Les dimanches à Bamako. Il est blanc des blancs, mais il est gris des gris. Ah, j'ai essayé d'adorer la blague. Voilà, on est la veille d'un Major et ils sont, il est en détente. Prochaine étape. Voilà comment on sent Vitality. C'est comme ça, le mental, il est comme ça. Il est gris de gris. Pendant que l'UDM. Mais non, mais regardez, il y a un peu de sérieux quand même, regardez. Hein. Il y a quand même un peu de sérieux. Un tout petit peu, c'est grave. Un tout petit peu, il va s'amuser à cut des gens, il est content. Pas enfin, IDM, IDM. Enfin, mon frère, il passe au ghetto, TX88. Et le frérot Rémi, toujours sérieux. Voilà, on prépare. Ah putain. C'est trop Patrick ce truc. Le chat noir. Ah ouais, mais c'est ça. Mais c'était incroyable en plus, parce qu'à ce moment-là, c'était la meilleure chute du matin, tu vois. C'était le matin du match. Attends, il est en train de jouer, le film pendant 3 minutes. Là, on est en train d'expliquer comment on l'a sanglié de NBK. Non, mais là, promis, je fais kick aucun joueur, je vous assure, chers viewers. À moins qu'il y ait un gars qui s'amuse à lancer un Edge of Empire qui traîne par-ci par-là, mais j'en doute. Je pense qu'il va plutôt se concentrer à faire sa CFG, bien comme il faut pour demain, il va pas déconner. N'est-ce pas? Setup Shoxi, double tapis, comme d'hab, non? Ah oui. Et là je vais regarder s'il y a un truc spécial. Attendez, chers viewers. Pour ceux qui se posaient la question, les gars, s'il y a un shit dans le tapis ou un souris, regardez. Ah, je le savais, regardez! Regardez ce qu'il... Je le savais! Regardez, il n'y a pas de motif en dessous, c'est peut-être pour... C'est peut-être ça le secret. C'est peut-être ça le secret, attendez, peut-être ici, regardez. Ah non, rien, je sais pas. Ah si, les trois boutons là, c'est bizarre ça, non?
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, il est en train de nous cacher quelque chose. Il est en train de nous cacher quelque chose. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, le PC, c'est que... Avec le molon, t'as le choix, là. Tu veux le conduire si t'as peur, la limite, tu veux dans l'échelle, dans l'air l'une, dans l'autre, tu... Voilà, naturel, naturellement, naturel, c'est naturel, ça. J'en ai pas un molon, quand même. Là, je vous assure que dans sa tête, il voit que des simples. Ils vont y aller. Il voit que des navis. Je sais même pas. Hein ? Je sais même pas que c'est. Ah ouais ? Je peux voir ça. Pour vous dire à quel point lui. Je lui ai demandé s'il avait des trucs. Et en fait, non, il a rien. Il s'installe, il met son tapis, sa souris et ouais, son clavier. Ah, peut-être légèrement, vous voyez, cher viewer. Il y a un petit angle. Cher viewer. Stream un peu, toi aussi. J'ai pas le temps, frère. Ah, toi aussi, comme Richard. Tu joues à New World ? Non. Moi, je casse pas les sangliers, frérot. Je casse pas les sangliers. Moi, je casse les... Voilà. C'est pas le time, enfin, si je fais ça. C'est aux normes, ça. Est-ce que c'est aux normes ? C'est le mien. Ah ouais ? C'est toi ? T'aimes pas ? Si, petite pute. Moi, sur un chasse d'âge, je m'appelle belle pute classe. Vraiment. J'essaye de trouver un... Je m'appelais comme un ça, moi. Qui me ressemble le plus. Je m'appelais belle pute classe. Salut à tous, chers viewers, on est en direct de la salle de sport, là où tous les joueurs jouent, enfin tous les joueurs s'entraînent surtout, avant d'aller DM. Bonjour en direct de l'hôtel. Envoyez. On donne tout, donne tout. Donne tout. Ah, vous êtes là. On termine de manger, là, tranquillement. Et à 14h, il y aura Vitality qui va jouer contre Virtus Pro. On va être dans les coulisses, au cœur de l'événement. Donc vous allez voir, on va recueillir des belles images. Peut-être des, j'espère, du Winning Woman comme on l'aime. Allez, on se retrouve juste après. Chaque match, c'est une finale. Vous mettez l'intensité d'une finale à tous les matchs. Le premier, c'est maintenant, première finale. Ok ? Allez ! Finale 2 ! Deux vaincus ! Nique leur merde, je dommage. Après, on perd. Le problème en terreau, c'est qu'on perd deux rounds parce qu'il y a un mec qui nous fait le cul. Oui, aussi. Oui. Enfin, de toute façon, même si je peux avoir le slam, genre la game, faut juste avoir le dernier round, tu vois. Hey, bon, voilà. Donc là on vient de terminer le match Vitality contre Virtus Pro. Malheureusement, ça s'est joué. Dernier round. Je pensais que ça allait partir égalité overtime. Finalement ils ont perdu 16-14. Donc ils sont à 0-1. Donc on verra le prochain match. On ne connaît pas encore l'adversaire. Donc, vous allez recueillir quelques petites réactions. Ça doit vous faire plaisir. On se fait pas bouillir en... On attend pas. C'est pas... Là, quand on déclare, t'as peur. T'as peur de nous. Ah, si. Mais il n'y a pas de mourir, ah, c'est ça, hein, c'est les petits, hein. C'est le major, c'est comme ça. Hein. Faut se mobiliser, hein. Lâchez rien, les gars. Ouais, faut pas lâcher, les gars. C'est comme ça, il y a du niveau. Rien n'est fait encore, les gars. Vraiment, hein. Ouais. Allez Dan, c'est pas fini là. Hein. Non. On lâche rien, il y a un mental. Hein. Ouais, le mental est là. Ouais, je sais, mais. On verra demain. Là, tranquille. On a peur, mais on peut pas être shot. On n'assume pas. On n'assume pas. See you later, guys. Mais bah, tout a gagné, t'as gagné, on a dit ça. J'espère que t'as représenté. Hein. Salut, chers viewers, on est dans le. On est dans l'ascenseur du Major. Regardez, il y a une bombe. Voilà. Oh, une molo. On est une smoke. Ils sont détendus. Allez, danse un peu là. Let's go, Paris. Ah, t'es Zed Event, tu crois vraiment que... Il y a Zivo qui me demande, d'ailleurs. Vous me faites chier tout au long de l'année à chaque fois, tu sais, qu'à chaque année, ils me disent, ouais, mais pourquoi t'es pas au Zed Event? À chaque fois, ils me le disent. Ils sont là, me troll. Vous en faites pas, les gars, Zerator, il a prévu une invitation pour moi l'année prochaine. Ouais. Parce qu'il doit remplir les quotas. Vous en faites pas, il y aura un noir enfin au Zed Event. On est à 0-2. On est à 0-2. On est à 0-3. On va gagner. Ils vont gagner.
3-2, ils vont faire la remontée comme Barcelone et pas comme Paris, ils vont remonter. Ça c'est fou ça. On se souviendra de ces images. On est comme ça mon pote, on va aller. La, 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 la. Ça, franchement, je te le déconseille. Mange pas un chewing-gum genre Airways, archi frais, en portant le masque. Ah, gros, j'ai ça débouche. C'est comme si tu faisais une inhalation, tout ça, les trucs avec la. Ah, c'est un délire. Mais au moins, ça débouche. Quoi, c'est le bout de scotch, le bout de scotch qui fait la différence, c'est ça? On est ouais, on part au steak. Ah. Il fait ça. Il fait ça. Yeah, real marabou. Yeah. How are you? Oh, okay. No worries. C'est lui le chaman. Chef de tribu, non? Jack, bro. Sorry, sorry, bro. Je keep forgetting that he's. J'ai remonté les bretelles. L'autre chose. On gagne, demande les joueurs, on les termine. Après, on va. Ah, t'es chaud. Maintenant. On a notre destin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel souvenir on veut laisser? Est-ce que c'est la première journée où on n'est pas nous-mêmes? Ou aujourd'hui, chacun d'entre vous? Est-ce qu'il va faire? Bah oui, merde, allez go! C'est simple, les gars. On va le faire, le regard. Mais pour le faire, c'est l'unité. C'est le groupe. C'est ce qui nous habite, notre ADN. De reprendre, de se faire confiance. D'assumer ce que vous êtes, en tant que talent, en tant qu'individu. D'accord? C'est de la hargne qu'on doit avoir. Quand on veut se qualifier, c'est celui qui en a le plus dans le bide. D'accord? Vous avez reçu énormément de soutien de tout le monde. Si vous manquez de hargne à un moment donné, pensez à ces gens qui croient en vous. Pensez à tous ces gens qui sont là. Pensez à tous ceux qui vous regardent derrière. Parce que eux méritent plus que ce qu'on a montré jusqu'à présent. Donc si vous avez un doute à un moment donné, soyez pas égoïste. Lâchez rien. Soyez fort. Chaque round doit être un enfer pour vos adversaires à partir d'aujourd'hui. Battez-vous. Ça a toujours été ça, nous. Battez-vous pour l'échange, pour la com, pour le kill. Les murs ou les skins? Les skins. On donne tout, les gars. Ok? Je vais parler un peu aussi. C'est promis un truc. Rappelez-vous à cette chambre de Novotel il y a deux temps. C'est promis qu'on irait jusqu'au bout et que maintenant c'est la gagne. Hier, on n'a pas du tout donné pour la guerre. Zéro. Hier, c'était pas nous. C'était pas nous des trois derniers mois où on en a chié. C'était la merde. On a fait une super pro league, on s'est qualifié à Blast, où le RMR, ça a été quand même chaud et on s'est donné. Hier, c'était pas nous. Hein. Donc aujourd'hui, on est nous-mêmes. On va gagner. D'accord? On se l'est dit, ça. C'est gagner maintenant. C'est pas autre chose. C'est pas au kiff, etc. C'est la gagne. On est là pour ça. D'accord? Allez. Allez, allez les mecs, donnez tout, hein. Let's go! Allez, go, go. C'est pas oh, let's go! Dans ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ah ouais. Par contre, les mecs, on peut pas courir au début de la banane, les mecs! Faut courir au début de la salle, vous entendez, on a la banane! Vous croyez qu'ils sont où, les mecs? Faut se dépêcher, hein, pas chaque fois qu'on revient, vous marchez sur la démo, les potes! Oh, go là! Replace-toi, voilà! Allez, fais des choix! Reste pas en victime là! Si tu restes en victime, tu pues ta mère! Nice! Voilà! C'est ça, putain! Voilà, tu te réveilles ou pas là? Franchement, tu me donnes le sourire juste en criant. Pareil. Oh, mes chers viewers, enfin. Je pensais que j'allais repartir bredouille sans une victoire de Vitality. C'est bon, ils se sont enfin lancés dans la compétition. Là, ils viennent de gagner contre qui déjà? C'était laborieux, mais ils l'ont fait. Au moins, ils démarrent la compétition avec une victoire. Il en reste plus que deux pour se qualifier en Legend. En Legend ou en Champion. Comme nos amis G2, d'ailleurs, j'ai parlé au coach Malek. Voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir, hein, surtout qu'on se connaît. Puis, vous aurez quelques petites séquences là-dessus, on verra. Hein, si vous êtes sages, bien sûr. J'aimerais bien que Zio commence à cheater, les gars. Ça commence à vraiment. Ouais. Je vois. Si j'ai un peu d'espace là dans les coulisses, peut-être que j'injecterai pour lui. Ah bah, cette histoire. Let's go!
Je les ai éclatés pour moi. Qu'est-ce que tu kiffes, toi? Yeah, please, sir. I'm trying to do my job. Sorry. Tiens le regard. Il est qui me regarde, là. Bah, faut regarder si tu tiens le regard. Tenez le regard, tiens le regard. Tiens le regard, il lâchera pas, celui-là. Il lâchera pas. Il lâchera pas, c'est le premier qui cède. Le premier qui cède joue. Il arrive à jouer en même temps, il tient le regard. Il lui tient sa cam. Ah, il a perdu. Il a... Eh bah du coup c'est lui qui joue. Tu joues? Voilà la com, la communication. T'inquiète pas. Eh, je lui ai mis 2 balles. C'est ça les majors les mecs, c'est la bagarre. Let's go. Porte les deux, encore. Allez. Ils chaque deux, c'est grand mort. Voilà. Ils l'ont fait, putain. Le jab shot. Niveau mental, franchement, tu prends ça dans la game, tu te dis, putain. J'ai entendu Dan en train de faire des brichiers. Dan, il est où Dan? Dan, un petit coup de brichier. Brichier. Oh putain, excellent. Bon, demain, faut qu'il gagne pour se qualifier. Mieux le match de demain. Bon, pas les couilles qu'on ait gagné à ce qualifier. Bon, pas les couilles. Ah, c'est bien. J'aime cet état d'esprit. Il y a un double kick que tu fais d'un moment, décisif dans la smoke. Celui-là, il fait réaliser une roue aussi. Celui-là, il m'a fait kiffer. Celui-là, le double kick smoke, je me dis. Tu es dans ça, j'en suis deux. Je l'ai vu, ouais. Ça fait ça. Déjà, et les animeurs. Mais double. Ça vous remet bien. Il me touche un peu les deux, mais moins 50 à chacun. Et là, t'arrives, tu tiens, tu vois que tu as cité. Combien de fois j'en ai pas, j'en ai pas, donc ça m'a ramené même 2 trucs. Enfin, tu devrais aller là sur des deux là. Enfin, c'est 17. Là, j'ai, non, mais j'ai kiffé, tu m'as rendu rêve là. Enfin. C'est beau. Voilà, t'as terminé top fragment en plus. Non? C'est pas toi au top kill? C'est ça, 32? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop fort, Zizi, les gars. On se déclare! Ouais, je veux pas! Il était là, il a fait palmier parce qu'il avait objet et tout! Mais t'inquiète, attends, on score, ma gueule! Alors, un truc, Richard. This is the real Michael Jackson! This is Michael Jackson? When he was black! Il a grossi, Michael. Non, mais c'est pas possible. Il avait tout seul avec. Grand fan de Michael. Grand fan, c'est le plus grand fan. Attention au niveau de ce connecteur, oui Apex. Oh superbe doublé. Un coach a gagné titre final. Le capitaine des Vitality trouve la première élimination. Trouve la seconde élimination. Il est face à Lac. C'est qui là nous? On est de bon, c'est difficile en fait. Beaucoup de teams, mais... Vitality qui colle. Moi Jungle. Ok les mecs, je smoke Jungle. Golme. Remontada. Ta mère, Barcelona femme. Il a bagarre, mais c'était dur hein. Mmh. Et voilà, c'est à cause de nouvelles hein. Donc là, on se remet comme à la fin de game. La fin de Side CT et la fin du Side 0. Et la tête de ma mère, on les fiche. Allez, défoncez dernière match. Dernière match d'ailleurs. Nouvelle map. Non.
Bah je voulais faire le GR qu'on a, tu sais, en 3-2 là. Franchement, viens, on va jouer GR, j'ai plus rien. Allez, vas-y, je te trouve. Franchement, moi, il nous faut deux stuffers. Ouais, je pense que deux stuffers. J'ai envie de prendre un caisse. Encore un BP. Vous les prendre. Ouais, on va y aller au skate. Go, tunnel. Hein. Ah, ça. J'ai la lucarne. Ah ouais, porte. J'ai ta porte, j'ai ta porte à droite. Lucarne. J'ai gardé du tien. Allez, Denis, petit galin. Alors Kevin, comment tu as senti la game là? T'as kiffé ou pas? C'était bien, c'était compliqué, mais au final, on s'en bat les couilles. Ah, nice. Ouais. Ah, hey, j'ai dit à Jason, t'as vu, c'est comme ça qu'on tire comme ça. Franchement, ils l'ont fait. J'étais comme ça. On était tous comme ça, même nous. La deuxième map, je pensais que vous alliez expédier ça, la deuxième map là. Ouais, mais bon, c'est la pression des majeurs quand même. Ils voulaient faire ça. On aime la pression, on aime jouer le beau jeu. Ils voulaient faire ça super bien, les gars. Donc ils l'ont fait, Zero, encore une nouvelle fois. Santos Fiennec ou pas? Ça va. On n'était pas là au début, on est venu après. Et du coup, pendant la guerre, rapidement. C'est le petit GZF comme d'hab. Parce que sur D2, je sais que vous avez mis beaucoup de runes au début. D2, on mène 13-2 sur le site CT. Théo, on sait qu'on va jouer notre jeu. On se précipite pas, on joue, on se prend quelques rounds de merde, mais ça va. Mais on aime. Après, la pression descend, on change de side. Du coup, avec cette avance-là, vous êtes bien. Ouais, avec 13-2. Mais vous galérez un peu, vous galérez à terminer quand même. Vous avez combien? 13 rounds de match. On a 13-2, ouais, on met 15-2 à la fin. Voilà, il y a une 15-2. Un 15-2, Rémi met une petite pause en mode bon. On va quand même se calmer pour essayer de. Parce que c'est dans ce genre de moment. Connaissant Rémi, exactement, je suis d'accord avec toi. C'est dans ce genre de moment où là on va commencer à faire des fous et. Du coup, vous avez pas fait la strat, les gars. Sur, on a 13 rounds, les mecs. Oui, c'est ça. Donc, à 5 rounds. Non, ils l'ont pas fait, ils ont pris leur temps et finalement ça l'a fait. Ah, ça va. Sur le dernier round, on passe pas un peu. Dernier round, on fait une prise longue. Prise longue, on trade, il y a deux morts chez eux, du coup on fait un retour B directement et on arrive à faire, on passe B, il n'y a personne, il y a juste la B. Du coup ça va, on a le B free, on gagne le round sur ça. Et ils l'ont fait, on peut les féliciter, voilà, ils sont play-off. Maintenant les play-offs, quart de finale pour G2 ou Nami. G2 ou Nami. Ah ouais c'est... Bah parce que c'est les équipes en 3-0, du coup c'est G2 ou Nami, on sait pas encore. Ok. Ça va être un beau match, dans le stade en plus hein. Ouais c'est dans le stade. Pas de pression, vous connaissez Zivo les gars. La pression, la boîte, blonde ou brune. Exactement. Donc les gars, on compte sur vous, les ultras, les encourager. Ils auront besoin de vous. Et j'espère qu'il y aura des Français dans le stade. Hein, pour et j'espère. Le dernier mot, Zivo. Le Zivo, le dernier mot. Free quoi? Free quoi? Mais si tu sais, free. Free quoi? Ah, free riz. Bien sûr. Non, plus fort. Non, il y a normal. Free riz. Voilà, c'est bon. En direct du Major, c'est ici. Genre le caca. Mais la couleur pas. La bonne.
c'est bon, il a fait une coulante à la rive. Normalement, c'est gagné, les gars. Allez, tu vives. C'est loin, un vlogueur fou, en fait. Peut-être que je suis pas là, les gars. Les mecs, ça va être la meilleure équipe du monde. C'est 5 êtres humains, on est 5 êtres humains, les mecs. D'accord ? On est 5 jours de cesse, c'est 5 jours de cesse. On peut le faire, d'accord ? On va y aller, les potes. D'accord, les potes ? Ça devrait le faire. Oh, t'as bégayé, Hey, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit follow, un petit pouce bleu, cliquez sur la cloche pour vous tenir au courant des derniers vlogs qui vont venir sur la Reuse TV. Stay tuned, Reuse, Team Vitality, on les suit ici pendant ce major. On se retrouve très bientôt. Ouh. Really counting here for G2 is that they get the rounds on the board, ninth round here on this T side.